Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Hanoï au Vietnam pour vous présenter 5 types de café que vous pouvez boire dans la ville. Et les amis, à Hanoï, comment ne pas commencer directement par le fameux café à l'œuf? Pour déguster ce fameux café à l'œuf, je vous emmène au Café Dinh près du lac Hoan Kiem. Et selon la patronne, cela serait le café original ouvert par le créateur du café à l'œuf, Monsieur Zhang. D'ailleurs, le voici. Enfin, je veux dire le café, hein, pas Monsieur Zhang. Hein. Maintenant, pour vous, je vais vous donner un exemple de recette simple du café à l'œuf que vous pouvez faire chez vous. Tout d'abord, il vous faudra un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de lait concentré et une cuillère à soupe de sucre. Et bien sûr, du café. Ensuite, chopez votre batteur et mélangez le tout jusqu'à ce que ça ressemble à ce que vous voyez là. Ensuite, contrairement à la dame, je vous conseille de verser d'abord le café et ensuite le mélange, car comme vous voyez, il faut quand même le coup de main. Je veux dire, on n'est pas là pour se compliquer la vie, on se fait juste un petit café à l'œuf à la maison. Puis pour le petit dessin, je vous laisse demander à quelqu'un de plus spécialisé que moi dans ce délire. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à savourer ce délicieux café. Deuxième type de café que vous pouvez voir ici à Hanoï. Le Coconut Coffee. Et pour moi, le meilleur, c'est celui à Con Café, situé à 54 Hang Dieu. PS, oui, je sais, le tableau derrière moi est tendu. Le café à la noix de coco peut se boire chaud ou froid avec des glaçons comme ici. Si vous désirez vous en faire un à la maison, c'est simple. Dans un shaker, mettez une tasse de café noir, 100 ml de lait de coco et 2 cuillères à soupe de lait condensé. Shakez le tout et versez le mix dans un verre avec des glaçons. Et le tour est joué. Maintenant, si vous en voulez un chaud, je vous conseille de faire le mix dans un mixeur. D'ailleurs, voici la version chaude. Bah oui, ce jour-là, je me suis pris les deux. Pour rappel, là où je considère qu'on trouve les meilleurs cafés à la noix de coco à Hanoï, c'est ici, au Con Café 54 Hang Dieu. Troisième type de café, le café au yaourt. Et je sais, là vous devez vous dire, c'est quoi ce délire? Ils ont un pet au casque, sérieux. Vous pensez que yaourt et café ne vont pas ensemble? Perdu, c'est même très bon. Donc si vous désirez essayer chez vous, il vous faudra une fois de plus une tasse de café, un yaourt nature de 125 grammes et 3 cuillères à soupe de lait concentré. Mélangez d'abord le yaourt et le lait concentré, ensuite ajoutez le café, étouillez et enfin, il vous reste plus qu'à déguster. Franchement, trop bon, c'est bon. Hidden Coffee, je valide votre café au yaourt. Il est délicieux, il fracasse. En plus, le Hidden Gem Coffee est aussi un coin super sympa où vous pouvez faire, comme moi, des photos rigolotes. Quatrième café, et ici je suis au Geo Beans, juste à côté de ce que j'appelle la Tour Eiffel de Hanoï. Derrière, certains doivent s'en rappeler si vous avez regardé ma vidéo des 12 coins photos dans la capitale du Vietnam. Et ici, je vais goûter donc au café au lait. Mais regardez, il n'est pas comme les autres, car c'est du lait condensé. Je vous préviens, au Vietnam, quand vous commandez un café au lait, dans la très grande majorité des cas, ce sera un café avec du lait concentré, comme ici. Et perso, j'aime bien ça. Sinon, rien à voir, mais voici à quoi ressemble le Jobin Coffee, juste à côté de la Tour Eiffel. Haha, Monsieur Puss et ses blagues bidons. Et enfin, numéro 5, le café fine. Et pour ça, j'ai choisi de le boire au café Vivienne, pour sa vue sur la cathédrale. Franchement, la vue sympa, non? Enfin, revenons à nos moutons, voici à quoi ressemble un café fine. Et la fine, c'est en fait ce genre de cup posé sur le verre qui sert de filtre. Comme vous le voyez, il y a le café et hop, on remet le petit pit quick et on met de l'eau chaude et on attend. Bon, sinon vous avez compris, hein, là le mien il est déjà filtré. Hein. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, je pense que vous avez que l'embarras du choix niveau café pour votre prochaine visite à Hanoï. Et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne, la Bisette. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.